Bonsoir, ravi de vous accueillir. C'est déjà presque l'heure d'aller dîner, mais bon, nous on va parler de, de, de Napoléon. Je voudrais vous dire aussi qu'on se réjouit tous cest dire ceux qui ont vécu cette matinée, enfin cet après-midi aussi, de ce que Polythéia soit sur orbit Et la, la, la réaction aussi bien des intervenants que, que du public, enfin parce qu'on ne va pas couper l'histoire trop en deux entre les uns et les autres, mais je veux dire, ensemble, il se passe quelque chose et il y a, y a un vent de... De, de liberté, d'esprit qui souffle sur Thionville. Donc on accueille Thierry Lenz pour cette dernière, euh, ce dernier rendez-vous de la journée. Alors, vous êtes un monument impérial pratiquement. Metz était ville impériale en un monument impérial. Vous êtes né à Gondange en 1959, maîtrise de droit, à Metz de DEA, ensuite en droit public interne et en études politiques. Vous êtes depuis 2000 directeur de la Fondation Napoléon. Vous nous expliquerez un peu ce que c'est cette fondation, peut-être son histoire aussi, mais avant d'être directeur de cette fondation, dès 1986, à 27 ans, donc tout minot, vous publiez aux éditions serpenoises La Moselle et Napoléon, donc c'était bien, bien ancré. Alors on est tous, je, quand on était à l'école primaire, enfin moi c'est un des bonhommes qui m'a fait rêver, enfin qui m'a fait rêver, parce qu'on rêvait de, de cette puissance, de cette cohérence et tout, et puis après on nous a appris à nous déshabituer de cela, vous, c'est profondément ancré en vous. Alors vous êtes un, un enseignant raconteur, donc vous avez publié 60 ouvrages, beaucoup sur Napoléon, mais d'autres aussi sur Kennedy, sur... Euh, Hitler aussi, paradoxalement, mais pas si paradoxalement que ça, parce que dans votre livre, et je vous montrerai le bouquin tout à l'heure, on parle à un moment donné de la tentation de, de réduire Napoléon à un dictateur, et donc notamment à Hitler. Et donc c'est quelque chose que vous démontez. Voilà. Alors moi, je vous ai rencontré il y a trois ans ou quatre ans déjà, un jour à Rome, avec l'association Saint-Nicolas des Lorrains de Rome, et vous nous avez raconté très simplement napoléon et rome ou rome et napoléon ensuite on a été à la villa bonaparte qui était l'ambassade de france auprès du sien saint-siège mais on en sort en n'étant pas, en, vous cherchez pas à convertir, vous cherchez simplement à expliquer, à montrer qu'il y a eu des hommes et des, et des choix et des aventures. Alors pour ceux, aujourd'hui on va parler de la liberté, puisque c'est le thème de polythea la liberté et Napoléon. Alors pour ceux qui veulent un outil, parce que moi aussi je me suis servi d'un outil pour préparer ça, le bouquin, le livre de Thierry Lenz pour Napoléon, hein, paru aux éditions Perrin est un est un régal parce que en 200 pages et 20 chapitres eh bien il pose toutes les questions qui nous viendraient spontanément à l'esprit et il y apporte donc son, son érudition et son je vais dire sa passion euh, c'est pas toujours tout le monde s'en sort toujours pas, pas toujours très bien notamment les ceux qui renient un peu la, sa valeur à l'histoire notamment aussi certaines idées un peu un peu à la mode le courant woke et compagnie bref plein de choses qu'on a envie d'entendre de vous à propos de Napoléon et de la liberté, et peut-être commencer tout de suite par euh, mettre fin à une idée qui est celle de dire que euh, Napoléon est incompatible avec la liberté, liberté considérée comme fille de la Révolution française, parce que Napoléon a dit à un moment donné que la Révolution était finie. Alors, est-ce que vous pouvez nous repréciser? Ce, ce moment-là, pour qu'on sache bien où on en est par rapport aux différentes périodes aussi. Oui, d'abord, bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, et merci de, de, de cet accueil. Euh, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de, de, dans des journées sur la liberté d'avoir un thème sur Napoléon, ou alors on peut se dire que c'est tellement vite dit qu'on sera à l'heure pour le dîner, euh, mais bon, en fait, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses à dire. Alors, dans votre question, il y, 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 y en a plusieurs. D'abord, oui, Napoléon n'est pas celui qui a instauré en France la liberté politique, c'est le moins qu'on puisse dire. On en parlera peut-être tout à l'heure. Sa réussite au niveau de ce qui nous réunit et de ce qui fait la société française est ailleurs. C'est plutôt du côté de l'égalité. Il faudra qu'on en parle quand même parce que c'était le choix qu'il avait fait, lui, l'égalité plutôt que la liberté. En revanche... Lorsqu'on essaie d'aborder la, la question de la liberté vis-à-vis -vis de Napoléon, on fait comme si euh, il n'était pas le fruit d'une époque, il n'était pas le fruit de circonstances et euh, euh, comme s'il était acquis que euh, la Révolution française, c'est la liberté. Alors, tout, tout va dépendre aussi, mais là, vous avez tous les philosophes qu'il vous faut pour essayer de, de définir le, le concept. Mais si on prend simplement le, la question de la liberté politique et de la liberté d'expression, de, 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 de la liberté d'action, etc., la Révolution française peut aussi faire l'objet de beaucoup de discussions sur le plan, sur le plan des libertés. Elle n'est pas, par définition, l'avènement de la liberté. Alors, Napoléon, lui, arrive dans un, dans un contexte qui est un contexte très particulier. Il faut. Il ne faut jamais décontextualiser en histoire parce qu'on euh, on découpe l'histoire avec des, des périodes. Alors, euh, des périodes qui sont très pratiques parce que, on, comme ça, on peut euh, y glisser les catégories universitaires. On peut euh, euh, dire je suis pour la révolution, mais pas pour euh, ce qui est après, alors que tout ça se, tout ça se mélange un peu. Lui, son contexte, c'est un contexte de grand désordre, euh, de guerre extérieure euh, importante, de faillite constitutionnelle. Et je dirais que son avènement est la conséquence de ça. Et ça n'est pas, euh, contrairement à ce, euh, ce dont on a, euh, on a assisté euh, il y a quelques années, ce n'est pas une aventure individuelle au départ, l'aventure de Napoléon. C'est une aventure collective d'un groupe d'hommes qui sont, on va dire, plutôt des, des révolutionnaires modérés, des... Euh, 100 ans plus tard, on les aurait appelés des républicains d'ordre, enfin voilà, des, des gens qui euh, veulent mettre fin à tous ces désordres et à toutes ces incertitudes qui sont, euh, qui sont issues de la révolution et donc euh, euh, il ne faut jamais s'extirper se, se, du contexte alors le contexte c'est un contexte de guerre extérieure hein, une demi-douzaine de pays en guerre avec la France en 1799 euh, un contexte de guerre civile avec euh, l'ouest de la France et une partie de la Provence qui reste euh, euh, en révolte contre le gouvernement central un un contexte de guerre religieuse, c'était quelque chose qui avait beaucoup d'importance à cette époque avec la tentative de déchristianisation de la Révolution française et la coupure de la France en deux. Donc voilà, voilà le contexte dans lequel cet homme arrive au pouvoir et effectivement dans la, la proclamation qu'il qu rédige et qui accompagne la Constitution de 1799, il a cette phrase, la révolution est finie. Alors la révolution est finie, d'abord la phrase est toujours tronquée, on dit toujours il a, il a fini la révolution, la phrase est la suivante, c'est la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Donc, déjà, pas, il n'a pas juste. Le dit, travail est terminé. Il est tout fini, tout. voilà. Donc, il dit le travail est terminé. Et puis, euh, surtout, le mot fini euh, n'a pas euh, la signification de terminer aussi forte qu'il l'a aujourd'hui. Euh, il utilise le mot fini parce que fini veut dire deux choses en français, hein, en principe c'est bien sûr terminé. Mais ça veut dire parfait aussi. Hein, on a l'expression dans produit fini. Oui, bien fini, oui. ouais, comme je dis toujours, euh, on dit toujours de quelqu'un qu'il est un con hein, Ça ne veut pas dire qu'il a fini d'être con, mais ça veut dire qu'il est <laughs> un con parfait, euh, etc. Donc il y, y a en même temps euh, le choix d'un mot qui veut dire beaucoup plus de choses qu'elle est terminée. Hein, ça veut dire qu'elle est à la fois terminée sur le plan du mouvement. Euh, elle est finie, ça veut dire qu'elle est parfaite, et elle est parfaite en quoi C'est parce que elle est fixée aux principes qui l'ont commencé. Donc c'est un homme de 1789, euh, son entourage de même. Ce sont des, répub des républicains, des révolutionnaires modérés, euh, et donc euh, euh, comment dire euh, dans, dans, la, dans, dans la façon dont on, dont on raisonne toujours sur la Révolution française. Quand bien même elle a duré dix ans, quand bien même l'épisode concerné est très court, on prend toujours le gouvernement conventionnel comme exemple parfait de la révolution. Mais au fond, quand on regarde ce qui a été fait en 1789, c'est aussi quelque chose d'immense. Les deux premières années de la révolution sont probablement les plus fécondes de la révolution. Le reste ensuite, c'est du mouvement. Ce sont des, beaucoup de projets, très peu qui aboutissent. Euh, ce sont des, des comment dire, des affirmations euh, qui aujourd'hui résonnent beaucoup. Le bonheur est une idée neuve en Europe, etc., etc. Mais enfin, qui n'avaient à ce moment-là rien de concret. Hein. C'est-à-dire le, le gouvernement napoléonien, c'est un gouvernement de euh, comment dire, euh, de, de gens qui font, -à dire, de gens qui font. C'est-à-dire de gens qui Bon, mauvais, critiquable ou pas, il y a des résultats à la fin. Quoi. On a fait des choses. Alors que la Révolution française laisse beaucoup de principes, mais pas beaucoup de solutions pratiques. Mais vous dites le, le, la liberté n'est pas fille de la Révolution d'où elle est sortie, enfin, il y a le siècle des Lumières, enfin, alors, vous la faites sortir, d'où cette liberté oui, alors, la, pour... la liberté, euh, enfin, on, euh, si vous voulez, il y, y, y a plusieurs types de liberté, au fond. Il hein. euh, y, y a la liberté, enfin, on va reprendre la, la trilogie classique, euh, enfin classique, j'en sais rien, mais enfin, la trilogie habituelle de Hegel. Il hein, y, y a la première liberté qui est la liberté civique, celle de créer des citoyens, d'intégrer dans la citoyenneté euh, les barbares, ça c'est citoyenneté on va dire romaine et puis euh, il y a eu euh, euh, après le protestantisme les Lumières, il y a une espèce de, de liberté civique qui, euh, euh, civile pardon qui, euh, qui s'impose et puis la liberté politique elle est beaucoup plus tardive euh, la, la, la liberté politique qui d'abord n'était pas non plus euh, l'ancien régime n'était pas une dictature euh, mmh. et le règne de Napoléon non plus on pourra en parler euh, c'est une troisième phase de cet euh, avènement à la liberté, euh, mmh. la liberté tout à l'heure nous, nous situait ça en 1881 enfin avec les, les, oui. la démocratie oui, les euh, lois sur la presse enfin des choses tard, ouais. et, 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 si vous voulez il y a aussi une chose alors comme nous on fait on fait de l'histoire là hein, on fait pas autre chose les, les, le, le, le grand ennemi de, 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 de l'histoire c'est l'anachronisme, c'est-à-dire de regarder le passé toujours en ayant les sentiments du présent. Oui, effectivement, si on avait aujourd'hui le régime de Napoléon Ier, on ne serait pas content, etc. Mais c'était il y a 200 ans et on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui. D'ailleurs, si on prenait des, 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 comment dire des points de détail de, de, des atteintes aux libertés politiques sous napoléon ier on en trouverait aujourd'hui je prends toujours l'exemple vous savez il y, a, il y a, dans, dans ces études comme on ne trouve pas grand chose au fond comme agression significative de la liberté sous Napoléon, on prend toujours la rectification des classiques. Vous savez, il avait demandé que les œuvres classiques soient un petit peu euh, corrigées parce qu'elles faisaient trop penser à, euh, euh, aux périodes chaudes de la Révolution, etc. Et alors on dit ça c'est scandaleux, il a, il a réformé les classiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand à la fin de Carmen, il ne faut pas que Carmen meure. Quand dans Othello, il ne faut, il faut pas qu'il euh, le, le, qu qui ait un blackface pour l'acteur qui joue Othello, etc. Donc je veux dire, c'est tout ça, tout ça est comment dire, tout ça est très relatif. Et je dirais que euh, le pire en histoire, c'est le déterminisme, c'est-à-dire de dire que le destin, alors parlons de la France, le destin de la France, c'était d'arriver à la République parlementaire. Moi, j'en sais rien. Peut-être que ça aurait pu se passer autrement. Dans ce cas-là, il faudrait reprocher à l'homme de Cro-Magnon de s'être occupé de la maîtrise du feu au lieu d'inventer les lois de la Troisième République. Bon, voilà, c est, c est, c est, on, on ne gagne rien. L'histoire, on en parlait tout à l'heure avec Bertrand Mertz, l'histoire, ça sert aussi. Bien sûr, on le dit, c'est la tarte à la crème à comprendre le présent, mais à lui donner aussi une épaisseur, une profondeur qui n'est pas simplement la reprise de quelques slogans. Alors, on peut très très bien vivre toute sa vie en utilisant des slogans, hein, c'est pas le problème. Mais si on veut essayer de se servir de l'histoire, à part pour se distraire et pour lire de belles histoires, ben voilà, il faut. Refuser aussi de, euh, comment dire, au passé les, les contraintes du présent, les reproches du présent, les accusations du présent. Vous dites à un moment donné dans votre livre liberté pour l'histoire, c'est-à-dire libérer l'histoire de, de toutes les contraintes et de ce qu'on a mis autour. Oui, bien sûr. Ben, vous savez, elles sont, elles sont très nombreuses. Alors, euh, si on parle des, des dix dernières années avec l'irruption de, de toute une série de courants qui ne sont pas des courants historiques, hein, qui sont des courants sociétaux, euh, le woke, l'indigénisme, le lgbtisme et que sais-je encore, euh, on devrait. Passer l'histoire au tamis de ces, de ces théories, à mon avis, éphémères. Je veux dire, on n'en parlera plus dans 10 ou 15 ans, mais enfin, elles nous font quand même beaucoup de mal en ce moment. Et, et au fond, qu'un historien dise des choses qui déplaisent. À euh, ses contemporains, bah, oui, mais ça fait partie, on va dire, de, 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 de toutes ces expressions, euh, de, de, enfin de, de toute cette liberté d'expression dont vous parlez euh, pendant ce week-end. Euh, bon, pour parler de Napoléon, moi, il se trouve que je suis directeur d'une un, institution qui fait de l'histoire napoléonienne. Nous faisons de l'histoire. On n'est pas là pour euh, ramener Napoléon au pouvoir. En plus, il est en assez mauvais état, donc euh, on ne pourrait pas. Mais euh, voilà, alors on nous. Bien sûr, dès que vous étudiez Napoléon, on vous accuse de ceci ou de cela, euh, ce qui n'est pas le cas, quand vous, par exemple, quand vous étudiez les Huns, on ne vous, euh, on vous, on ne vous fait aucun reproche de ce côté-là, mais voilà, il y a... Il y a il y a ces espèces de simplifications permanentes, agaçantes, oui. agressives qui font que de temps en temps on a envie de dire mais fichez-nous la paix quoi. Alors en quelques mots, c'est quoi l'histoire de cette fondation Napoléon Alors l'histoire dans cette fondation, c'est d'abord un petit centre de recherche avec une quinzaine de personnes qui travaille sur euh, alors, la diffusion de l'histoire du 19e siècle en général, puisque vous savez que nous avons eu la chance d'avoir deux Napoléons, donc euh, ça va presque jusqu'à la fin du 19e siècle, euh, pour tous les publics, pour euh, ceux, ceux qui sont simplement intéressés, les passionnés, euh, les universitaires, etc. Alors, avec plein d'outils, sites Internet, des bibliothèques, etc. Et puis, euh, comment dire, du, du travail de recherche. Hein, on a des, des modules de recherche qui sont... Euh, qui sont en place, et sincèrement, on n'est pas là pour dire du bien de Napoléon, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens parce que... Euh, alors, je dirais qu'il y a eu une exception, c'est l'année 2021, parce que l'année 2021, qui était l'année du bicentenaire, euh, oui, ce n'est pas parce que j'ai des chaussettes avec euh, un N dessus, euh, simplement que ce sont des chaussettes françaises qui tiennent bien aux chevilles, donc c'est pour ça que je les mets. Euh, l'année le, le, 2021 a été pour nous euh, une année où on a décidé de sortir de notre... Euh, pas de notre tour d'Ivoire, c'est un bien grand mot, mais enfin de, de, de notre réserve habituelle par mmh. rapport aux choses de la société. Euh, moi, ça fait assez longtemps que j'y suis, donc j'ai. Connu... Que vous aviez l'impression qu'on vous mettait, qu vous... enfin, Au oui. fur et à mesure, on rétrécissait le. Oui. Le et, et puis, puis c'était euh, comment dire, c'était une. Euh, une, une connerie après l'autre qui était assénée quoi si vous voulez Napoléon n'était évidemment pas un saint euh, il n'était évidemment pas euh, celui qui a créé la liberté politique euh, il faut le redire mais c'était pas non plus tout ce qu'on a raconté et tout ce qu'on a voulu euh, raconter avec en plus en fond de tout ça non pas Napoléon ou ceux qui s'intéressent à Napoléon, mais c'est véritablement l'histoire nationale qui, qui, est la, qui est la cible. On avait eu quelques mois avant les statues de Colbert qui avaient été maculées, même celle de Voltaire à Paris a été maculée. Enfin, enfin les bras nous en tombent. Enfin, bon, etc. Et, et à l'approche du bicentenaire de Napoléon. Qui ne devait pas être d'ailleurs une, une célébration, c'était simplement de marquer un bicentenaire. La fin, au fond, des bicentenaires commençait en 1969. Personne ne demandait que ça soit national, etc. Nous, on était bien tranquilles entre nous. Hein. Euh, mais il y, y a eu évidemment des, des espèces de, de, de déclarations euh, des uns, des autres, euh, et surtout des autres d'ailleurs, qui, qui, qui étaient des âneries enfin, euh, qu'on qu ne pouvait pas laisser passer. Donc on a décidé de, 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 de sortir du champ de la pure histoire pour aller un peu au contact de ces gens. Et puis pour aller voir euh, bah, sur quoi ils fondaient leurs affirmations, euh, le racisme, de Napoléon, les millions de morts pendant les guerres, euh, le statut de la femme, enfin, etc., toutes ces, toutes ces choses que, que nous croyons tous savoir. Je veux dire, celui qui, on n'est pas obligé de s'intéresser à Napoléon. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand on s'y intéresse et quand on veut en parler, il faut quand même avoir quelque chose à dire qui soit un tout petit peu étayé et qui... Qui soit le résultat un peu d'une étude de certaines questions quoi. on peut pas euh, voilà il, il en allait à la fois pour ceux d'entre nous qui avaient une, comment dire, une ambition citoyenne, ben de, un, de la liberté de penser, deux, de la défense d'une certaine forme de, de, de l'histoire nationale, et puis de l'autre côté, de défendre notre métier. Quoi. Alors on sert à quoi Si, si on est là à, à étudier des, des sujets, et puis que euh, vous avez n'importe quel député de la France insoumise qui peut vous faire un cours d'histoire alors qu'il n'y connaît rien, je veux dire, bon, ça, ça nous a un peu fâchés, quoi, il faut le dire. Mmh. Tout à l'heure, on, enfin, on disait que les journalistes étaient les historiens de l'instant. Mais enfin revenons à, à, à l'histoire plus, plus précisément. Non, je, ils sont les journalistes de l'instant, ils ne sont pas les historiens de l'instant. Pardon. Excusez-moi, oui, vous non, êtes non, un non, mais, ancien mais, mais, de la corporation. Fait, mais... Donc, là, vous, vous dites, vous, vous regrettez dans votre livre qu'on ait enlevé, ai dire, au fil des années, dans l'enseignement, ce, cette espèce de, de pactage historique ou bien cette culture historique euh, minimale. Qu'on enseignait aux oui. enfants. Alors, est-ce que c'est. On l'a enlevé pour faire la peau à Napoléon ou on l'a enlevé parce qu'on ne croit plus à l'histoire ah, C'est une grande question. Euh, D'abord, euh, la France est un des, des seuls pays, euh, même européens, où l'enseignement de l'histoire a l'importance qu'il a. Donc, ça veut dire que chez nous, on, on a toujours considéré que l'histoire avait quelque chose de structurant dans, dans l'éducation des jeunes. Bon. Il est vrai que la Troisième République a choisi de, de faire de l'histoire une des matières principales pour des raisons... Euh, on va dire politique, mais au sens le plus noble, c'est-à-dire faire adhérer à la République, euh, créer, euh, créer du commun, comme on dirait aujourd'hui. Euh, voilà. Donc ça, c'était euh, un objectif parfaitement louable. Euh, il était atteint souvent euh, en triturant un petit peu l'histoire, en, en la comment dire, en la structurant autour des grands hommes et des grandes femmes, enfin ou de la grande femme hein, qui était Jeanne d'Arc, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Et donc euh, euh, c'est sous ce régime-là que jusque à la fin des années 70 nous avons tous été euh, amenés vers l'histoire ouais, bon. les tableaux rossignols enfin ces choses là en classe ouais. Alors, euh, le simple fait que des gens aient pu par la suite euh, contester ce modèle euh, prouve qu'au fond ça n'était pas un modèle oppressif puisque mmh. s'il avait été aussi oppressif que ça et s'il avait été un couvercle mis sur la pensée de nos concitoyens on n'aurait pas eu tous les courants qui se sont développés euh, sérieux ou pas sérieux dans, dans, euh, euh, dans le métier d'historien. La question qui s'est posée au milieu des années 70 est. On, on parle toujours du désastre scolaire euh, qui serait venu par la gauche, etc. Mais il faut rappeler que c'est sous Giscard d'Estaing. Par exemple, dans la matière euh, historique, c'était René Habille, le ministre de l'Éducation nationale. Un enseignant. Euh, euh, oui, un enseignant, ancien mmh. principal, au proviseur de Faber hein, à Metz, euh, qui, avait, euh, qui avait modifié l'enseignement de l'histoire pour, pour, pour le le faire aller vers un enseignement thématique. C'était la fameuse époque de l'éveil. Hein. Donc, donc on prenait un thème et puis on l'étudiait. En sciences naturelles, en littérature, en histoire, bon, etc. Alors évidemment, c'était complètement déstructurant. Et euh, euh, le, comment dire, la tendance n'a fait ensuite que, que s'alourdir avec l'arrivée euh, aux affaires de, de, de tous ceux qui voulaient tellement détruire la société en 68 et qui ont mis leurs chaussons dans les très hautes fonctions euh, de l'éducation nationale. Et tout ça, tout ça est arrivé euh, avec comme idée que. Il était tout à fait normal, par exemple, de ne pas traiter de la chronologie. Et, et partant de là, la chronologie est devenue quelque chose de, de presque interdit. Et, et, et la déstructuration de ce savoir historique était en marche. Quoi. Après, on pouvait, on pouvait dire Napoléon, c'est Hitler. Napoléon, ça ne peut pas être Hitler, parce que Napoléon, c'est 150 ans avant Hitler. Donc, déjà. Que Hitler se soit pris pour Napoléon, il y a une petite chance. Mais l'inverse n'était pas vrai. Mais peu importe, puisqu'il n'y avait plus de chronologie, il n'y avait plus de sens à l'histoire. Donc, on pouvait raconter... l'histoire, c'était quelque chose dans lequel on, on piochait ce qui, oui. ce qui nous intéressait qui allait dans nos... C'était un peu <laughs> les algorithmes vus... Oui, c'était un peu ça. Quoi. Oui, bien sûr. Fait, on, on consomme que... ce qui nous fait plaisir. Oui. Quoi. Et puis, le choix des, le choix des thèmes n'était pas non plus innocent, enfin, etc. Mmh. Donc, donc tout ça, euh, il faut quand même reconnaître que... Euh, euh, et puis, on a eu l'apogée de tout ça. Ça a été le, 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 le Comité national des programmes avec le professeur lucien à sa tête, vous savez, celui qui appelait un ballon un référentiel bondissant, euh, mmh. etc. etc. Bon. Euh, et donc ça, ça a été, au fond, à la fois l'apogée, puis comme on le sait, chaque fois qu'il y a une apogée, il y a une descente ensuite. Bon. Et la descente, c'est Jean-Michel Blanquer qui l'a imposée avec un comité national des programmes qui était présidé par Swadha Ayada, qui est une philosophe, et qui a, pour ce qui concerne la partie histoire, rétabli de la chronologie. En disant, on, on, enfin, c'est quand même l'histoire. Si c'est une science, c'est une science qui ne peut pas fonctionner sans la chronologie. C'est absurde. Une science hein, du temps. Totalement absurde. Bon. mais c'était tellement absurde, comme tout ce qui est absurde et qu'on entend en ce moment, que plus personne ne le contestait. C'est-à-dire quand, quand on a, comment dire, quand on n'a même plus la liberté de, de, de contester l'absurde, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Quoi. Alors désormais. Pour combien de temps Ça, je n'en sais rien. Mais enfin, apparemment, le ministre de l'Éducation nationale actuel n'est pas très travailleur, donc on devrait être tranquille. Euh, le, le bon, ça, ça en fait deux, trois, là, maintenant. Oui, des, oui, mais bon, des, mais bon, on peut... Une petite vacherie balancée en passant. Entre nous. On a compris. On, ouais, oui, on peut problème. prendre quelques libertés. Ouais, euh, pendant. parfait. Ces... Bon. Et donc, donc, on a rétabli la chronologie, et notamment, pour ce qui concerne ma matière, la chronologie du 19e siècle. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en classe de, 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 de quatrième et en classe de première... On fait un passage sur le 19e siècle. Alors on dit toujours c'est survolé, mais on survolait aussi, hein, nous. Mmh. Hein, C'était vite fait, hein, tout ça. Euh, où donc on a euh, la Révolution, l'Empire, euh, la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second Empire, etc. Il, il s'est passé autre chose au 19e siècle pour la France que la conquête de l'Algérie. Mmh. C'est la grande découverte de beaucoup, euh, à la fois de, de, de jeunes adultes et des élèves actuels. Il y a eu une, une vie riche, d'abord une, une vie politique. Si on parle de politique, qui est assez unique dans l'histoire du monde. La France, c'est le laboratoire constitutionnel numéro un. On change de constitution à peu près tous les 15 ans à cette époque-là. Et, et, et donc, il y a aussi une richesse à étudier tout ça. Un, un rayonnement, c'est ce que vous dites. Voilà. C'est un alors, des moments où on a été mondiaux. Oui, bien sûr. Et puis, et puis euh, au fond, pourquoi ne pas euh, s'en rappeler avec fierté Je veux dire, les Suédois, qui sont aujourd'hui euh, une nation euh, honorable, mais Petite dans le concert des nations, se euh, rappelle avec émotion de Charles XII qui, au XVIIIe siècle, se permettait d'envahir la Russie. Voilà, bon, euh, voilà, ça fait partie des choses que peut-être la France a apportées au monde pour pour utiliser de de bien grands mots. On revient à Napoléon à la liberté, et vous avez dans, dans toute une série de, de, de paragraphes, vous évoquez le, le côté, disons, le chantier du, du, du renforcement de l'État central. Hein, sous, sous Napoléon, euh, cet État central comme garant des libertés. Alors, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais dans la table ronde sur la précédente, Philippe Val euh, expliquait le fait que l'État restait le garant, le garant des libertés par rapport à toutes les multinationales, par rapport au, euh, aux réseaux sociaux et compagnie. Et quelqu'un d'autre a dit aussi que si les Français étaient en ce moment un peu désabusés ou plus pessimistes, par rapport à l'avenir, c'est qu'ils avaient une espèce de, de, de nostalgie de la place de l'État. Et il a fait remonter ça en disant que la, 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 la dégradation du, du, du sentiment de l'État, il a fait remonter ça à Vichy, mmh. mais bon, pourquoi pas. Hein mais en, en disant que c'est pour ça que qu'on était plus méfiant par rapport à un certain nombre de choses, parce que ce, ce repère-là a disparu. Alors, redites-nous comment euh, Napoléon oui, mais... a, a mis en place oui. cet État central dans l'esprit garant des libertés alors Moi, moi je, suis, euh, je suis très frappé par ce que vous venez de me dire, euh, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend plus habituellement. Hein, le, le, euh, je veux dire, taper sur l'État est devenu un sport national, alors qu'en fait, euh, on confond l'État, le gouvernement, enfin, bon, etc. Euh, donc, c'est donc plutôt heureux, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que euh, les, les, les seules choses qui fonctionnent encore un peu sont les choses qui sont gérées par l'État. Et Dieu, Dieu soit loué, euh, euh, le système de maintien de l'ordre est toujours entre les mains de l'État. Euh, alors, Napoléon, pour revenir à Napoléon, euh, en, fait, en fait, il faut toujours revenir aux situations. Euh, au moment où Napoléon euh, prend le euh, pouvoir, je, oui, je, je, je trouve que la, la phrase est assez savoureuse. Vous dites L'État d'aujourd'hui, mis en concurrence et parfois sous la coupe des pouvoirs locaux, virgule, se rapproche plus de celui de l'ancien régime que de celui de Napoléon. Celui-ci, assis sur un cadre stable et une distribution claire des rôles entre les gouvernants et leurs agents, entre le central et le local, était ce qui garantissait la liberté. Ben voilà, <laughs> j'ai répondu à votre question. Euh, et je, je crois que c'est quelque chose qui. Comment il a fait euh, Alors, il a fait, il a fait euh, avec de la volonté mmh. et probablement avec des idées qui euh, n'étaient pas que les siennes. C'est-à-dire que euh, tout le XVIIIe siècle euh, et la Révolution, euh, de façon concentrée, euh, a été un débat sur la place de l'État. Il faut se rappeler que sous l'Ancien Régime, il y avait évidemment un État central, on a beaucoup parlé de la centralisation monarchique, mais restaient encore des pouvoirs locaux extrêmement forts, ce qu'on n'appelait pas encore les corps intermédiaires comme les corporations qui ont l'air d'être des choses de liberté mais qui étaient des choses de contrainte pour les professions, etc. Donc il y, avait, il y avait cette ambiance de certes, il y a un monarque, il y a des ministères, il y a un État central, mais quand même les décisions de cet État. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne descendent jamais, ne sont jamais appliquées, etc. La Révolution a essayé de, 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 de changer ça, d'abord en, en uniformisant les circonscriptions. Euh, le département date de 1789, donc enfin 90, fin, fin 89. Et euh, c'était euh, tout bête comme, comme idée, mais c'était une idée indispensable parce que les circonscriptions de l'Ancien Régime étaient entremêlées. On n'avait pas la même circonscription pour les impôts que pour l'armée, que pour euh, tout un tas d'autres euh, organisations de l'État, ce, ce qui évidemment facilitait euh, les rivalités, les luttes d'influence euh, à l'intérieur des provinces. Bon, euh, la Révolution achève ça. Simplement, ce que, la Révolution ne va pas jusqu'au bout parce que, pour une raison euh, doctrinale et non pratique, elle décide l'élection à, à tous les niveaux. Tout le monde est élu à partir d'un certain moment, y compris, par exemple, le collecteur d'impôts local, euh, qui connaît tout le monde, qui est copain avec tout le monde, et qui forcément ne va pas euh, correctement collecter les impôts de son voisin, etc. Trois ans de retard d'impôts euh, au moment de l'avènement de, de Napoléon. Hein. On avait pas, si on fait le calcul, on n'avait pas, pas collecté les impôts pendant trois ans. Hein. Euh, donc voilà. Donc lui il décide de supprimer cette euh, cette élection euh, tous azimuts et de la remplacer par des agents nommés. Alors on ne dit pas encore fonctionnaires, mais on va les appeler fonctionnaires qui sont nommés non pas parce qu'ils sont l'ami de l'ami, mais parce qu'ils sont au service de l'État et ont la compétence pour laquelle ils sont nommés. Alors évidemment, il n'y a pas encore de mode de recrutement très compliqué, il y a probablement eu euh, du népotisme ici ou là, mais c'était le principe, c'était de dire voilà, tout ça va descendre du centre au plancher euh, avec, avec une chaîne hiérarchique. Alors évidemment, c'était très sévère à ce moment-là, ça, ça a été strictement appliqué, mais le fait que les distances étaient très grandes et qu'il fallait beaucoup de temps pour euh, que les ordres arrivent, a permis aussi euh, de conserver quelques libertés locales, disons-le comme ça, euh, surtout libertés locales des fonctionnaires d'ailleurs. Et donc, c'était donc, euh, une volonté, un, d'organisation de l'administration, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que l'administration, elle n'est pas juste là pour dire il y a une administration elle est là pour rendre des services, hein, ou elle est là pour exprimer la puissance publique. Donc, donc, il fallait que cette administration soit organisée. Et puis, un des objectifs poursuivis, et ça, euh, quand on y pense, on voit bien ce que la décentralisation peut apporter à rebours, c'était l'unité nationale. On a aujourd'hui, dans notre constitution, la France est une république, une et indivisible. Ça, c'est un principe de la Révolution française. Bon. Et euh, l'organisation de l'administration en d'un seul tenant, euh, était aussi destiné. Il n'y avait pas qu'une surveillance ou etc. C'était aussi destiné à assurer euh, l'unité parce que on est euh, ne, euh, dix ans après le début de la révolution. Dix ans, c'est rien dans la dans la vie d'une nation, mais même dans la vie d'un homme, c'est rien. Euh, euh, il y a dix ans, nous étions en 2013. Hein. bon, ben voilà, on a l'impression que tout ça était hier et qu'on n'a pas changé que rien n'a changé, etc. donc, donc il, fallait, euh, euh, il fallait créer cette espèce, euh, j'allais dire, de choc de simplification. mais l'expression ne veut rien dire et elle n'a jamais voulu rien dire, d'ailleurs. et donc euh, euh, pour, pour assurer aussi l'unité de l'état, guerre civile, guerre religieuse, etc., il faut rappeler hein, tout ça. Et puis, ce que fait Napoléon, et là je, je, je me régale toujours à en parler, euh, j'avais entendu, comment s'appelle-t-elle, euh, Madame Autin, euh, dire un jour euh, Monsieur Macron est comme Napoléon, il est contre les corps intermédiaires. Voilà, voilà ce qui arrive quand on n'a jamais étudié l'histoire, quand on ne sait rien, mais qu'on veut quand même parler. Hein. Euh, Napoléon, c'est typiquement l'homme qui a rétabli les corps intermédiaires en France. Les corps intermédiaires ont été supprimés par la Révolution volontairement pour euh, permettre aussi une fluidité de la décision publique. Euh, et la fameuse loi Le Chapelier de 1791, qui a duré presque un siècle, euh, interdisait toute coalition. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les corps intermédiaires. Et Napoléon les a rétablis, les corps intermédiaires. Et euh, justement, il les a rétablis, mais bien sûr, en les faisant, d'une façon ou d'une autre, dépendre de l'État, hein, parce qu'ils ne souhaitaient pas que ces corps intermédiaires reprennent euh, l'espèce le, d'autonomie qu'ils avaient sous l'Ancien Régime, mais au contraire, restent arrimés au squelette de la nation qui était l'État. Bon, voilà. donc, donc, il a, en plus, ce, ce mouvement de rétablissement des corps intermédiaires. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Parce qu'il euh, euh, est lui-même un homme des Lumières, c'est un homme du XVIIIe siècle, hein, ce n'est pas du tout un visionnaire, Napoléon, c'est un homme du XVIIIe siècle, euh, et c'est un révolutionnaire. Il, il a été jacobin à un moment, Napoléon. Alors, l'était-il par opportunité ou pas mais vous savez, si on pose la question pour Napoléon, on peut la poser pour beaucoup de gens, y compris ceux qui auraient dû venir aujourd'hui et qui ne sont pas venus. Euh, bon, euh, etc. Donc, euh, euh, si vous voulez, le, 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 euh, comment dire, vous voyez, à force de faire des bêtises, je, perd, je, je, je perds le fil. Euh, euh, C'est une. En fait D'opportunisme et de. Voilà, voilà. Ouais. Euh, C'est un. Comment dire euh, Une solution, d'abord, qui a été pérenne, qui a, qui a véritablement assuré. Euh, l'unité nationale. Et je dirais, pour provoquer un petit peu, mais aussi pour qu'on puisse y réfléchir ce soir en rentrant chez nous ou demain, euh, au fond, est-ce que, est que la décentralisation, telle qu'elle est pratiquée depuis, euh, euh, on va dire, une trentaine d'années, est-ce euh, que la, 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 la décentralisation ne va pas contre l'unité nationale Peut-être. On a le droit on de... a tellement de complexes de, de l'État jacobin oui. Par oui, rapport mais c'est un, un, un état vous savez fédéral qui est un partout oui. euh, euh, qui est devenu euh, l'alibi des échecs c'est à dire que euh, bon on peut constater que les, les, les gouvernements on va dire des 30 dernières années ou des 35 dernières années n'ont pas brillé par des réussites extraordinaires, etc. On en a la preuve tous les jours. Maintenant qu'on soulève les pierres, on voit qu'il y avait beaucoup de cloportes en dessous. Euh, bon, euh, et donc comment, comment faire pour se justifier eh ben, c'est la faute à l'État. Hein c'est la faute à l'État profond. C'est la faute euh, à l'État qui euh, n'est plus capable de, et ainsi de suite. C'est pas vrai. Regardez la deuxième phase de la crise du Covid, lorsque on a arrêté de, de donner le pouvoir au ministère ouais, de la Santé, qu'on l'a rendu au préfet. Oui. Eh, attendez, les choses ont fonctionné. À raison de quoi Pour les récompenser, on a supprimé le corps préfectoral, évidemment, ce qui est une, pour, à bon sens une erreur fondamentale. Mais bon, peu importe, hein, elle est faite. On en payera les conséquences. Euh, mais, mais voilà, c'est alors l'État est devenu. C'est très facile de dire, c'est de la faute à l'État. Les collectivités locales qui sont en quasi faillite c'est de la faute de l'État. Euh, ceci, c'est de la faute de l'État, et ainsi de suite. Peut-être pas et, forcément de l'État, mais enfin ou, ou, ou du moins non, des représentants, non, des élus, parce que les lois, c'est pas l'État qui les promulgue. L'État, c'est euh, ce qu'on appelle l'État. Alors l'État, c'est plein de choses peut presque dire qu'une commune fait partie aussi de l'État. C'est le bon, voilà. Mais si on garde l'État institutionnel, c'est-à-dire ce qui dépend, on va dire du gouvernement, l'administration qui dépend du gouvernement, on va euh, se garder de la place pour les questions. Hein, parce oui. Que que... euh, c'est un, comment dire, c'est une, c'est une, une facilité qui est en même temps suicidaire. Mmh. J'ai publié il y a 15 jours dans le dans le Figaro une tribune qui, qui, qui venait de mes, mes anciennes études de droit. Pour ceux qui ont fait un peu de droit, euh, vous savez qu'en droit public, il y a une grande question jurisprudentielle de savoir si l'État c'est la puissance publique ou si c'est le service public. Alors on a, euh, il y a eu un match nul jurisprudentiel dans les années 70. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Et j'irai que ce problème, euh, ce problème. Euh, de théorie juridique il est parfaitement réglé aujourd'hui puisque nous avons une puissance publique sans puissance et des services publics sans service comme ça on est, on est tranquille voilà. bon on n'a pas parlé du code civil outil d'égalité ou de liberté écoutez alors je voudrais juste provoquer un petit peu votre l'assistance ce que j'ai pas fait jusqu'à présent non. pour aborder justement le côté statut de la femme Hein. Euh, Madame Moreno, qui a été une éphémère ministre dont on ne sait plus quoi et euh, on s'en fiche. Moreno. Euh, Mo Moreno. 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 Vous savez, la dame, euh, pardonnez-moi, mais elle avait une, sa frange descendait parce qu'elle souffrait d'un œil. Ou... Enfin, bon, pas... Vous voyez, vous vous en rappelez pas. Euh, elle a été invitée à, à 10 jours du bicentenaire de Napoléon, alors qu'on commençait quand même à en parler. Elle a été invitée au club de la presse et un journaliste, à la fin, lui a demandé euh, qu'est-ce que vous pensez de Napoléon. Et là, elle a éclaté de rire. Ça veut dire qu'elle avait bien préparé l'émission. Ça faisait quand même partie des questions. Le président ira-t-il, ira-t-il pas C'était la question. Et puis, elle a eu cette phrase extraordinaire. C'est le plus grand misogyne que j'ai jamais connu. Bon. Euh, D'abord, deux informations. C'est qu'un, elle a connu Napoléon. Et deux, euh, qu'il euh, était misogyne. Bon. Alors, là aussi, c'est encore une fois utiliser une expression qui n'est absolument pas adaptée. Hein euh, à l'époque, c'est pas de la misogynie, c'est la société qui est organisée comme ça. Bon, voilà. Alors, à l'époque, on leur aurait dit Vous êtes misogynes, ils auraient dit non, on aime beaucoup les femmes, on les laisse passer les premières, euh, etc., etc. Je veux dire, je, je ne le juge pas, c'était comme ça. Découle de ça, cette critique sur le code civil. Alors, euh, là aussi, il faut avoir fait un tout petit peu d'histoire, et puis je dirais même un peu plus qu'un peu, pour, pour comprendre pourquoi, dans le code civil, euh, il y a un statut différent pour l'épouse et pour l'époux. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais on est dans une société qui sort de l'ancien régime, qui commence une nouvelle société, et c'est ce qu'on appelait à l'époque une société à statut. C'est-à-dire que, par exemple, encore un autre exemple qui va faire bondir, être esclave, ça n'était pas une, un, un, il n'y avait pas d'aspect moral, mais il y avait un aspect de statut. Votre statut est d'être esclave et pour la femme, elle avait un statut dans certains cas qui était d'être la femme mariée. Voilà. Donc en fait, l'inégalité mise en place par le Code civil n'est pas une inégalité si je veux réfléchir comme les juristes de l'époque, ça n'est pas une inégalité entre l'homme et la femme. C'est une inégalité entre le mari et l'épouse. Alors, vous allez me dire presque toutes les femmes étaient mariées. Oui. Sauf que une femme non mariée Veuve, elle avait les mêmes droits qu'un homme. C'est donc bien le statut qui était créé. Alors, pardon, parce qu'il faut que j'aille au bout pour provoquer jusqu'au bout. Le, 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 pourquoi ce statut inégal Parce que on veut reproduire dans la famille euh, un statut pyramidal. On, on croit à la pyramide, bon, d'organisation. Bon. Et on se dit, la famille, c'est le cœur de la société. C'est la première cellule sociale. On doit la protéger. Pour la protéger, on va l'organiser et on va mettre à sa tête le bon père de famille, comme on l'a appelé pendant très très longtemps. Ça a été supprimé dans le Code civil, ça s'appelle maintenant la gestion raisonnable. C'est beaucoup moins joli, mais enfin, ça correspond plus aux réalités. Et donc ce bon père de famille, il a le statut, un statut différent du statut de la femme. Elle doit recevoir son autorisation, etc. C'est la même chose pour les enfants mineurs euh, et ainsi de suite. Et dans l'esprit des juristes, c'était de dire, évidemment, on va priver la femme mariée de sa liberté, mais on va lui donner une compensation. Et la compensation, c'est euh, la protection du mari. Alors. Je ne juge pas il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, j'essaie d'expliquer. C'est un, quel un était... débat qui a existé, enfin c'est une réflexion. qui Bien sûr, qui a bien sûr. Il, y a, il y a eu tout un débat au Conseil d'État sur le statut de la femme mariée mmh. avec des gens qui voulaient l'égalité, il y en avait, minoritaire. Et, et euh, Bonaparte et son entourage qui ont tranché dans un statut de la, de la femme mariée inégale. Mais si, si Napoléon avait été le plus grand misogyne qu'elle a jamais connu, euh, dès, dès, dès la fin de l'Empire, ou on va dire dès la Seconde République, on aurait travaillé à tout ça, et puis après la Troisième République aurait résolu, euh, Léon Blum aurait évidemment rétabli l'égalité entre tout le monde. Or, il se trouve que pas, ça ne s'est pas fait. Que ça s'est fait seulement dans les années 60. 60 ouais. Et que le deuxième, le, deuxi le dernier texte d'inégalité du code civil, il a été abrogé en 2012. Voilà. Donc, alors j'entends je, déjà, on va me dire, c'est bien la preuve que le patriarcat avait été fondu dans le bronze mmh. enfin, et tout ce qu'on veut. Peut-être bien, franchement, moi, j'en sais rien. Mais simplement, c'est euh, faire de l'histoire, c'est pas accuser Napoléon d'être misogyne, c'est essayer de comprendre la mécanique de l'ensemble de la société à son époque. Et je pourrais vous dire la même chose sur le, le, le divorce, si on en a deux minutes, parce que celle-là est vraiment drôle. Euh, oui. euh, le divorce est maintenu dans le Code civil, mais il est rendu un peu plus difficile. Il n'y a plus, par exemple, le divorce par consentement mutuel qui existait à un moment pendant, pendant la Révolution. C'est toujours pour la raison de protection de la famille. En revanche, le divorce pour adultère existe encore, mais l'adultère n'est pas défini de la même façon pour enfin pour le mari et pour la femme et pour l'épouse. Quand l'épouse trompe son mari, elle est toujours en état d'adultère, quel que soit le lieu où l'adultère se soit produit. Le mari ne commet un adultère que s'il est commis au domicile conjugal. Alors, vous allez me dire, c'est terrible, ouais. c'est affreux. Mais je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi les juristes ouais. ont choisi ça. Parce qu'il y a, dans le Code civil, une disposition qui fait du domicile conjugal un sanctuaire. Donc, c'est-à-dire, c'est le lieu sacré de la famille. Mm -hmm. bon, donc, donc, le mari et l'épouse, commettant un adultère au domicile conjugal, commettent une faute. Vous allez me dire, le mari, lui, il n'en commet pas. Enfin, il, si, il en commet une, mais elle n'est pas... Pénalement, euh, enfin ouais. voilà, il n'a pas de faute, euh, Voilà, il peut aller tromper son épouse ailleurs, c'est pas aussi grave que s'il le fait au domicile conjugal. Et alors pourquoi pour l'épouse c'est différent Parce que l'épouse, dans le code civil, elle est aussi la mère. La gardienne. Ouais. Voilà. Et, et le sanctuaire du domicile, à, à ce sanctuaire s'ajoute un deuxième sanctuaire qui est le, le ventre de la femme, disons-le, pour, pour, pour les enfants. Et voilà l'explication, elle est, elle est très logique. Elle est évidemment pour nous, elle nous paraît complètement dépassée, archaïque, voire révoltante. Mais voilà, c'est-à-dire, ils n'ont pas dit je vais faire du mal aux femmes. Euh, voilà, c est, c est, ils ont dit comment j'organise la société, compte tenu de d'où on vient et, et d'où on veut aller. Et au fond, ils l'ont fait pour 180 ans. Hein. Donc, bon, donc je veux bien qu'on accuse Napoléon, mais, mais Léon Blum était misogyne. Jean Jaurès, qui n'a jamais demandé ça, était misogyne. François Mitterrand, dans les années 50, était misogyne. J'en ai d'autres. Hein. Oui. Non, non, comme on arrive pratiquement à, fin, à 10 minutes de la fin de notre exposé, encore une petite question sur la notion de... Parce que quand on pense à Napoléon, on pense à la, à la gloire, à une oui. espèce de forme d'orgueil. Hum. Alors, c'est quoi la gloire C'est quoi être un grand homme Et dans votre livre, vous citez une phrase de, 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 de Georges Pompidou qui dit « Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment ». Alors, est-ce que Napoléon a été grand au bon moment Alors, il a été, euh, il est arrivé lui au bon moment. Mm -hmm. Vous savez, on, on peut toujours se dire qu'avant lui, il y avait sûrement un, un très grand homme, peut-être plus grand que lui, et puis qu'il n'a pas eu l'occasion de, de, de se manifester. C'est vrai. Ce que disait Pompidou est vrai. Il faut, il suffit pas d'avoir euh, l'envie, la virtu, comme aurait dit Machiavel, les idées. Et, ah, il faut, faut aussi les circonstances. Ah ouais. ça, ça marche alors, aussi pour était les un grand homme hommes, ou un mégalo, alors. Alors, je pense qu'il y a les deux chez lui, c'est-à-dire qu'il y, euh, y, y a des périodes dans son règne, par exemple, le règne, l'époque du consulat, c'est-à-dire les quatre premières années, c'est une époque où on a peu de reproches à lui faire, c'est-à-dire qu'il gère une situation de crise, etc., et en même temps, en même temps, non, tout à la fois, il réussit aussi à structurer la nation par le code, par... en 1802... C'est-à-dire deux ans après son avènement, toutes les réformes du consulat et de l'Empire étaient adoptées, toutes sans exception. Même le code civil était fini, il est promulgué en 1804, mais il était fini. Donc ça veut dire, là, il y a deux années où, on, enfin, si Bonaparte était mort en 1802, il aurait ses statuts partout. Hein. Bon, euh, enfin, il en a déjà beaucoup. Hein, vous allez me dire, mais enfin, il en a encore plus. Hein. Et le maire de Rouen en ferait une autre. Et donc, euh, euh, sauf qu'après. Eh bien, après, il y a euh, l'humain qui prend le dessus, et qui prend le dessus surtout à partir du moment où en 1807, Napoléon a tout gagné. C'est-à-dire en 1807, il est, le, il est le maître de tout. Il est le maître à l'intérieur, il est le maître à l'extérieur, etc. C'est là que ça commence à se gâter. Hein. C'est pour ça que les, les, les grands hommes comme ça, il y a un moment où il faut, faut que ça s'arrête, quoi. Parce que en plus, c'était un, un homme qui euh, qui, euh, qui euh, comment dire euh, vivait par des systèmes, euh, ce qui est tout à fait l'homme des lumières, c'est-à-dire que. Quand on enclenche un mécanisme, on va jusqu'au bout de ce mécanisme, y compris mentalement chez lui. Donc le mécanisme de la prépondérance française en Europe, bah, boum, 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 je continue, je continue, l'Espagne pour moi, bah, je la prends et ainsi de suite. Quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il aurait, il aurait régné tranquillement à partir de 1807, on aurait peut-être maintenant Napoléon 8, 9, 10, je ne sais pas. Enfin non, j'exagère, sûrement ce n'est pas possible, mais voilà. Et puis sur le, sur le côté gloire, ça aussi c'est quelque chose que seule l'étude de l'histoire permet de comprendre, c'est que le, le concept de gloire en France, il y a des études qui le montrent euh, euh, très net, le concept de gloire, il est indissociable du pouvoir à partir de Louis XII et François Ier. C'est-à-dire que le monarque doit être glorieux. Alors, il est glorieux pour lui, mais il est glorieux pour euh, ses sujets aussi, et ainsi de suite. Ce que, et et ce, ce concept de gloire, il, il dure quasiment, on va dire, jusqu'à euh, la fin du règne de Napoléon III, quelque chose comme ça, où il faut de la gloire, il faut donner la gloire à la nation. Et ce qu'a fait Napoléon, ce qui est peut-être plus intelligent que les autres, c'est qu'il a créé ce qu'on a appelé une économie de la gloire, c'est-à-dire que cette gloire était la sienne, évidemment, le souverain glorieux comme Louis XIV, mais c'était la gloire de la nation, et on la partageait, la gloire avec la nation. Le président constructeur de, de, de pyramides aussi, c'était la même chose, non euh, Oui, c'est vrai, mais peut-être peut que lui y avait pensé, c'était un homme classique hein, au niveau politique, euh, de la pensée. Au niveau de l'action, c'était un peu. On pourrait discuter, mais sur, sur le plan de la pensée. Et aujourd'hui, on, on ne peut pas comprendre ça. Parce que pour nous, aujourd'hui, la gloire, c'est un sportif qui est glorieux pendant une semaine. Quoi. Puis après, on passe à un autre. Il a, il a atteint la gloire parce qu'il a marqué un but. Bon. Euh, c est, c est... Il, y a, il y a un papier qui paraît dans le commentaire ce, ce, ce mois-ci, mais qui est une, une vieille expression c'est que. Le passé, pour quelqu'un qui veut y aller sans avoir les outils, c'est un pays étranger. Il ne peut pas comprendre. Et donc c'est pourquoi, comme vous le disiez, liberté pour l'histoire, mais étude de l'histoire aussi, c'est utile, ça rend moins bête, et puis en même temps, ça peut être aussi amusant. Moi, je, 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 suis, je suis toujours content de voir que même des gens lisent des, 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 des livres d'histoire qui sont peut-être pas, ils n'ont peut-être pas la patente de l'université, etc. Mais on, 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 on a toujours quelque chose à en retenir et, et on a toujours quelque chose qui, qui donne à, à notre propre humanité un petit peu d'épaisseur. C'est une bonne phrase de fin. Oui, oui. Merci. On peut nous donner un peu de lumière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thierry Lenz ou un, ou un commentaire à faire Oui. Merci. Bonsoir, bonsoir Thierry Lenz. Merci de cette présentation d'une heure. Euh, je, on, on a un peu évoqué l'idée de la liberté au sens de l'État, au sens de l'action publique. Ce qui pourrait être intéressant sur la personnalité de Napoléon, c'est la liberté sur lui. Et en tant qu'individu, euh, parce que son règne et son expérience politique, euh, elle, elle recherche la liberté. Je pense essentiellement pour lui et pour, euh, on va dire, son groupe familial, ses frères, etc., ses sœurs. Euh, et donc. Euh, un commentaire aussi par rapport à ça, c'est vrai que le, euh, le, ce, ce dont on se rappelle de lui, c'est aussi son exil, c'est son double exil à, à Sainte-Hélène et puis à... Ah, J'ai oublié l'île d'Alba. L'île là, pardon. Euh, et cette quête un peu de comment sortir de cette contrainte que lui impose le monde extérieur. Euh, voilà, Peut-être aussi ben, vous entendre sur l'approche voilà, de la liberté en tant que contrainte qui pèse sur Napoléon. Et comment il arrive à s'en affranchir, parce que c'est un peu ça, son objectif politique, c'est le système continental, c'est un système de contraintes et de pression et d'oppression, d'une certaine façon, du continent, au service d'une liberté pour cette personnalité éminente. Voilà, donc c'est peut-être aussi cette question de la liberté par rapport à l'homme. C'est une question euh, compliquée, hein, parce que en effet, il faudrait déjà avoir euh, euh, quelques quelques indications sur, sur ses pensées réelles, hein, euh, lui. Bon, ce qui est ce qui est sûr, c'est que euh, comment dire D'abord, la, la liberté individuelle n'est pas un sujet au début du XIXe siècle. C'est comme ça. Bon, peut-être que nos ancêtres étaient plus bêtes que nous, que sais-je encore. Enfin bon, c'est pas un sujet. Ce, le sujet, au moment de l'avènement de Napoléon, c'est euh, remettre de l'ordre dans les campagnes, euh, recréer une administration efficace, etc. C'est ça, le sujet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est extraordinairement populaire. Bon, maintenant, par rapport à lui, alors, je, je termine parce qu'on n'est pas juste sur cette idée. Euh, Napoléon, s'il a un rôle dans l'histoire de France, ça n'est pas d'avoir été l'homme de la liberté, mais c'est d'avoir été l'homme de l'égalité. Euh, il l'a dit. Dix fois, les Français préfèrent l'égalité à la liberté. Faites un peu d'introspection, regardez ce qui se passe, et vous verrez que c'est le cas. Napoléon avait assez bien analysé ce peuple français qu'il avait tant aimé, comme il dira dans son testament. Alors, quant à sa propre liberté, euh, elle, était, elle était probablement euh, baignée d'une espèce de, 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 comment dire, de, de vanité ou d'orgueil qui était euh, ⁇ Je suis le seul à pouvoir gouverner ⁇ À un moment, il dit ⁇ Je suis le seul à pouvoir gouverner ⁇ même Louis XIV ne pourrait pas gouverner aujourd'hui, enfin quelque chose de ce genre-là. Alors, euh, c'est incontestable, c'est un homme ambitieux, c'est un homme parfois vaniteux, parfois petit. Hein, Lui-même le dit, je suis grand pour les grandes choses et petit pour les petites. Hein, bon. euh, maintenant, euh, cet homme n'a pas eu une totale liberté d'action. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que euh, le premier empire, le consulat et l'empire, sont des états de droit. Hein, et donc, on sort de la révolution et évidemment, on ne va pas dire, on donne tous les pouvoirs à un, à un gars. D'abord, le roi de France lui-même n'avait pas tous les pouvoirs, donc on va pas. Bon. Donc il y a toute une série de pouvoirs d'empêcher. Euh, ce ne pas des pouvoirs de co-gouvernement, ça, ça, ça n'existe pas, mais ce sont des pouvoirs d'empêcher. C'est-à-dire que euh, l'ambition de Napoléon, elle est bornée toujours par, euh, ben, par des, des, cette idée qui a une constitution. Il y a une constitution, il faut la faire fonctionner. Euh, il y a des lois, il faut les respecter. Et on a, par exemple, dans la correspondance entre Napoléon et Cambacérès, donc Cambacérès le numéro 2 du régime, on a des tas de lettres où Cambacérès lui dit Vous ne pouvez pas faire ça parce que la loi l'interdit. Bon. Et donc, euh, voilà. Donc, donc sa, sa liberté est surveillée, on va dire, à ce moment-là. Alors, la liberté de, dans l'exil la liberté dans l'exil euh, elle s'est se, elle manifestée chez lui par, par euh, la dictée ou l'écriture de, de, de documents notamment le fameux mémorial de Sainte-Hélène où évidemment euh, bah comme tous ceux qui écrivent leur mémoire hein, euh, il va essayer de se justifier et au sujet de la question de la liberté euh, il dit il dit euh, pratiquement euh, ces mots là euh, j'ai consacré mon règne à instauré la liberté, parce que l'égalité, parce que je savais que c'était ce que voulaient les Français. Mais la suite de mon règne aurait été l'avènement de la liberté politique. Bon. On n'est franchement pas obligé de le croire, hein, parce que c'est, il n'y aura pas de suite de son règne. Il le sait probablement. Et puis, bah oui, quand on a terminé sa vie politique. Et qu'on se retourne, on fait pas un travail d'historien, on fait un plaidoyer pro domo et on essaye d'expliquer jusqu'à ses erreurs, hein, évidemment. Et donc, euh, donc, euh, pour... enfin, je, je réponds pas complètement à votre question parce qu'elle demanderait euh, que j'y ai beaucoup réfléchi avant, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais en revanche, je pense que euh, comment dire, réfuter à Napoléon d'avoir été l'homme de la liberté politique, encore une fois, qui est qu'une est, qui est qu partie, qu'une parcelle hein, de la liberté. Euh, euh, par exemple, les, 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 les rédacteurs du Code civil considèrent que la jouissance de la propriété est une liberté. Hein. Euh, et, et en fait, c'est directement l'héritage de la Révolution. On a fait la Révolution, pourquoi Essentiellement pour la question de la propriété, pas pour la question de la liberté. Hein. » euh, Évidemment, on montre toujours nos Jacobins, machin, etc., qui se battent pour la liberté. Mais c'était encore une fois des, 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 des groupuscules, quoi, hein, par rapport à aujourd'hui. C'est l'égalité qui compte. Hein. Le, le Français est comme ça. Il se, il, il, il se bat pour l'égalité. Enfin, l'égalité étant, je vais quand même regarder ce qu'a mon voisin. Et s'il avait un peu plus que moi, je dirais que c'est l'égalité qui a été rompue. Et tant pis pour sa liberté. Et c'est ce bilan-là, c'est-à-dire, oui, redisons-le. Si on avait parlé de Napoléon III, mais on viendra à la deuxième édition, on est dans une situation beaucoup plus ambiguë. Pour Napoléon Ier, il n'y a aucun problème. La liberté, c'est ni son problème, ni le problème de la société à l'époque. Euh, sous Napoléon III, c'est autre chose, parce qu'on est euh, 50 ans plus tard, et puis il euh, y, y a beaucoup d'événements, il y a une structuration de la vie, parce que la vie politique euh, sous Napoléon, elle n'a aucune structure. Il n'y a aucune structure, il n'y a pas de parti, il y a des petites coteries, etc. En plus, tous ces vaillants révolutionnaires, ils sont rentrés dans le rang et ils ont, ils ont servi l'Empire aussi bien que les autres. Hein. Et même les royalistes, quand ils sont rentrés, ils ont absolument voulu aller à la soupe comme les copains. Donc euh, voilà, c'est euh, la, la question de ce temps-là n'était pas celle de la liberté politique. Merci. Une autre question Oui, tout devant au, au milieu. Oui, bien sûr. Oui. Donc, dire un mot sur la traite des esclaves. Oui, parce que le alors sujet on n'a pas en été plein, bon, est... voilà, Le débat, c'est la liberté, mais la liberté, euh, dès les Lumières, on la sait qu'elle doit être universelle. Et euh, un personnage aussi important que Napoléon, qui rétablit le 20 mai 1802 l'esclavage les en Guadeloupe et en Martinique ou à Saint-Domingue, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, en tous les cas, sur cette question qui est très étudiée aux États-Unis hein. Oui, alors, vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose est étudié aux États-Unis que c'est euh, mieux fait. Ceci étant, c'est étudié en France aussi. Hein. Alors, euh, comment, comment, comment dire oui, oui, Napoléon rétablit l'esclavage le 20 mai 1802. Euh, oui, il euh, rétablit le, le Code noir à ce moment-là, donc la législation intérieure à 1789, comme dit euh, le texte. Oui, il a ensuite euh, rétabli hors la loi euh, l'esclavage euh, euh, à Saint-Domingue et euh, à la Martinique. Euh, oui, euh, les expéditions coloniales ont été terribles, cruelles, euh, etc. Et je dis toujours, euh, puisque nous, nous essayons de, 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 de parler d'histoire, mais aussi un peu de, de, des mémoires, je trouve tout à fait inadmissible qu'on n'entende pas, et on n'ait pas entendu très longtemps dans les milieux napoléoniens, la blessure mémorielle, par exemple, des Guadeloupéens. Bon, parce que, on va dire, dans l'ensemble des malheurs de ces guerres coloniales, c'est la Guadeloupe qui a. Enfin, Saint-Domingue, on va le mettre de côté pour le moment, c'est la Guadeloupe qui a raison, voilà, la Guadeloupe a raison d'avoir un problème avec Napoléon. Donc il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle à un moment, il faut qu'on fasse des études communes. C'est en train de se mettre en place. Quand la Fondation pour la mémoire de l'esclavage fera autre chose que de la politique, on pourra faire de l'histoire avec eux, hein, comme on le leur a proposé. Mais bon, il faut aussi que cette fondation mûrisse, grandisse, arrive à l'âge adulte. Donc on le fera à un moment ou à un autre. Euh, la vraie question dans l'esclavage... Le, Mis à part le fait que sur le plan moral, c'est un échec, ce que Napoléon d'ailleurs lui-même, il le dit à Sainte-Hélène, comme d'habitude, c'est trop tard, mais il le dit. Bon, euh, c'est de savoir pourquoi cet homme, alors là on parle de Bonaparte, qui libère les esclaves à Malte, qui libère des esclaves en Égypte, qui euh, fait des proclamations euh, dès son avènement au peuple de Saint-Domingue pour lui dire. Je ne rétablirai pas l'esclavage, je ne vous reprendrai pas la liberté que nous vous avons donnée. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour que cet homme se renie à ce point-là Bon. Euh, étant entendu que la mesure en elle-même est, est j dire, critiquable, le mot n'est pas, pas assez fort, mais enfin, en histoire, il faut toujours se, se. Disons, voilà, on ne peut pas supporter que Napoléon ait, ait fait ça. Bon, alors, mais pourquoi il le fait alors, le pourquoi il le fait n'excuse pas, mais il explique, il contextualise. Euh, ce qui se passe à, à ce moment-là, c'est que euh, on est à peu de. Alors, y a, on va dire, il y a deux, deux raisons. Une complètement factuelle, j'aurais pas le temps de la développer. C'est la, la trahison de Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, général français, euh, commandant à côté des institutions de l'État euh, à Saint-Domingue, fait des promesses qu'il ne tient pas. Donc, ça, Napoléon, ça ne lui plaît pas. Deuxième chose, on est à quelques encablures de la paix avec l'Angleterre. Et dans le cadre de cette négociation, euh, même si on n'inscrit rien dans le traité final, on se parle des colonies. Euh, le problème des colonies, ce sont les révoltes d'esclaves qui ont eu lieu, enfin, le problème. La grande question pour les, les États colonialistes, c'est les révoltes d'esclaves qui ont commencé. Au début de la Révolution française, dont beaucoup ont réussi avec des indépendances partielles, totales, enfin bon. Et euh, les Anglais ne veulent pas entendre parler de ça. Il faut pas qu'il y ait de, de, de contagion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Napoléon est entouré du lobby colonial. Le lobby colonial, ce n'est pas juste des, des, des méchants gens qui veulent faire du mal aux esclaves. C'est des gens qui ont baigné pendant toute leur jeunesse, pendant tout leur début de vie professionnelle, dans les intérêts coloniaux. Les, le, le, le commerce colonial de l'Ancien Régime, c'est entre 10 et 15 du PIB, si on peut le, le calculer à cette époque. Donc c'est quelque chose d'immense. Qui fait le développement de toute la façade ouest, qui fait le développement de tous les arrière-pays dans cet endroit-là, et qui amène la denrée phare de l'époque, qui est le sucre. Donc, donc on veut du sucre. Il y a, il y a des tas de, de. Nous voulons du sucre, hein, écrit-on. Bon. Et ce lobby colonial, Corbacérès, avocat des planteurs, Barbet Marbois, dernier euh, gouverneur euh, royal de Saint-Domingue, etc., etc., fait pression sur Napoléon. Euh, on a étudié cette question avec Pierre Branda il y a quelques années, et le dossier de la loi, si vous voulez, aux archives nationales, il y a une quarantaine de mémoires qui sont joints à la réflexion pour faire la loi. Pas un n'est écrit par un anti-esclavagiste. Ils sont tous écrits. Non pas par des gens qui veulent des esclaves, mais par des gens qui veulent le rétablissement du commerce colonial. Donc il y a cette idée. Si je veux rendre ces 10-15 d'activité, rappelons qu'à l'époque on l'oublie toujours, la France est une grande puissance maritime. Les bateaux français n'ont ben, plus rien à transporter, enfin bon, etc. Donc, donc voilà, il y a cette question-là. Et puis la troisième chose, c'est une ambition géopolitique de Napoléon. Alors là, dont il est entièrement responsable, c'est euh, il, il regarde la carte. Et il voit quoi Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique, les petites îles antillaises, la Guyane et la Louisiane sont français. Le reste, c'est des Espagnols, le Mexique, les, la Floride, etc. Donc il se dit comme l'allié, mon, euh, mon allié, c'est l'Espagne, je boucle le, le Golfe du Mexique. C'est un lac français. Il utilise l'expression à un moment donné. Et ce lac français fait de nous le producteur exclusif du sucre au monde. Voilà. Le sucre à l'époque, c'est euh, l'équivalent un peu du pétrole aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un produit, mais c'est aussi la jauge des économies, enfin bon, etc. Donc, donc il cède au lobby colonial. Et je dirais qu'il fait même encore pire, parce que euh, vous, vous l'avez mentionné, dans la loi, la loi les, les napoléoniens euh, scrogneux disent toujours, ah non, il n'a pas rétabli l'esclavage, il l'a maintenu. Hein Et effectivement, la loi dit... L'esclavage est maintenu partout où il n'avait pas pu être euh, aboli. Et en fait, dans les Antilles, ça ne concerne que la Martinique, puisque la Martinique était occupée par les Anglais. Hein. Euh, donc, au moment de l'abolition de 1794, l'esclavage n'a jamais été aboli. Donc, si vous voulez, par rapport aux Antilles, le seul endroit où on, euh, on, on va maintenir l'esclavage, c'est en principe la Martinique. Bon. Sauf que. Napoléon, au moment où il envoie ses expéditions maritimes reprendre les colonies antillaises, donne des instructions aux capitaines généraux, donc ceux qui devaient être gouverneurs en arrivant, et dans les instructions, il les autorise à rétablir l'esclavage quand vous le jugerez utile. Et c'est ce qui va se passer à Saint-Domingue et qui va provoquer. Enfin, non, la, la révolte était précédente. Mais c'est ce qui va se passer en Guadeloupe qui va provoquer la révolte d'Elgrès, enfin Louis d'Elgrès, le, le, le meneur de la révolte euh, là-bas. Euh, et euh, et c'est ce qui va se passer à Saint-Domingue aussi à un moment donné. Alors, bon, l'histoire euh, se termine mal pour tout le monde, puisque ce sont des guerres qui ont été d'une cruauté absolue. On pense qu'il y a eu une centaine de milliers de morts hein, pendant ces, ces batailles-là, c'est-à-dire. Euh, on va dire un dixième de tous les morts des guerres napoléoniennes, ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal. Beaucoup beaucoup par la fièvre jaune, etc. Mais enfin, il y a eu des choses absolument affreuses. Les généraux français envoyés là-bas ont été, ont rétabli les jeux du cirque. Donc, on, on lâchait des esclaves rattrapés dans, dans une arène, et puis on lâchait des chiens pour les dévorer. Enfin, etc. Ils ont rétabli le supplice de la roue. Ils ont fusillé, tant et plus. Des deux côtés, il y a eu des choses parce que. Le, le, il y a un historien haïtien dont le nom m'échappe, qui, qui a pas mal étudié tout ça et qui montre bien quand même que certes c'était une guerre de couleurs, comme on dit, hein, c'est-à-dire les blancs contre les noirs, pour être simple, mais le problème était très compliqué en plus par le, la question des métisses dans, dans, les, dans les colonies. Or les métisses étaient plutôt euh, du côté euh, des métropolitains, si vous voulez. Hein, donc il y avait en plus ce facteur-là. Et puis dans les armées de la Révolution, il y avait des bataillons noirs. Donc il y avait aussi des Noirs qui luttaient contre les Noirs, bon, etc. Donc, bref, un, un capharnaüm absolument impossible qui n'a profité à personne puisque toutes les îles, soit ont eu l'indépendance comme la partie française de Saint-Domingue, soit sont retombées entre les mains des Anglais euh, après. Hein, voilà. donc, euh, donc, pour, pour, pour me résumer, euh, il, il, il n'a jamais été question de nier le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Il n'est véritablement présent dans les études que depuis les années 80, 1980. Bon, faut le dire. Hein. Mais depuis 1980, euh, quand même, les gens n'ont pas ménagé leurs efforts. Euh, le problème qui nous manque, enfin, la, la, par exemple pour nous, euh, historiens métropolitains, on va dire, euh, ce qui nous manque, c'est d'avoir des interlocuteurs euh, aux Antilles. Euh, au moment du bicentenaire, j'avais rencontré un professeur euh, d'origine guadeloupéenne. Je me rappelle plus de son nom. Euh, je lui avais dit, bah, écoutez, il faut qu'on bosse ensemble, faisons des choses, donnez-moi, indiquez-moi euh, qui à la Guadeloupe est l'homme euh, qu'il faut contacter. Bon. L'homme, on l'a contacté, il ne nous a jamais répondu. Hein. Donc, bon, on peut pas. Euh, J'irais bien le voir à la Guadeloupe, mais bon, euh, la fondation ne me payera pas le voyage. Donc, voilà, y a, y a, euh, ça, ça fait partie, je pense, euh, des, des vraies questions en histoire napoléonienne qu'il faut, qu faut étudier. Il ne faut, faut surtout pas, comme faisaient les, les, les Napoléoniens, genre euh, les vieux Napoléoniens, les castelot les Louis Madeleins, etc., ils disaient Oui, mais après la traite, ça n'a représenté qu'une part infime de la traite mondiale. Oui, d'accord, mais bon, ce n'est pas le sujet. Hein. C'est euh, juste de savoir d'où vient cette décision. Alors. Il faut reconnaître aussi, si on est parfaitement honnête, que la décision de la Convention en 1994, elle a été prise de nuit, elle a été prise par une minorité de la Convention, et dès le lendemain matin, les gars ont commencé à se dire Papa, qu'est-ce qu'on va faire quoi, hein, Parce qu'il y avait tellement d'intérêts entremêlés. Euh, euh, par exemple, excusez-moi, on, on voyage un peu dans le temps, mais lorsque le Congrès de Vienne abolit la traite euh, des esclaves, il donne huit ans aux nations pour se mettre. Euh, pour se mettre quoi hein, en quelque sorte donc, donc, euh, parce que c'était encore une fois ce type de colonies euh, de l'époque on va dire du xviiie siècle n'était absolument pas le même type que les colonies de la troisième république c'était exclusivement des colonies d'exploitation donc on faisait venir des esclaves pour les faire travailler il n'y avait pas de problème de peuplement il y avait pas du tout d'intention de d'en faire des morceaux de France de l'autre côté de l'océan. C'était absolument pas la question. La question, c'était comment est-ce qu'on exploite la canne à sucre. En plus, les études du XXe siècle, mais bon, c'est trop tard pour eux, ont montré que c'était que c'était absolument pas rentable l'esclavage sur l'exploitation des, des plantations, euh, que, en fait les travailleurs payés euh, travaillaient mieux, produisaient mieux. Enfin bon, bref, hein, le truc le truc habituel. Et puis j'ajouterais aussi que tout n'est pas noir et blanc dans cette affaire, euh, parce que par exemple, euh, dire que Napoléon a organisé le génocide des Noirs, c'est évidemment une erreur, parce que euh, d'abord, il, il y avait une population euh, noire en France, enfin, il a, ils étaient peu nombreux, mais il y en avait, il y avait des bataillons noirs dans la Grande Armée, il y en a eu jusqu'au bout, etc. Donc euh, ce n'est pas le génocide des Noirs qui était à la recherche. Et je dis toujours, parce qu'il faut toujours que je termine par une petite provocation, le seul euh, massacre systématique. Qui a eu lieu aux Antilles en raison de la couleur, c'est le massacre ordonné par Dessalines, le chef d'État haïtien, de massacrer tous les Blancs de Saint-Domingue au moment de l'indépendance. Alors il a ajouté sauf les médecins. Bon. Mais bon, voilà. Dans le genre provoque. On est arrivé est au. Ce pas de la provoque, c'est de l'histoire, ah, je... mais bon, ouais, non, mais ça, ça fait un peu <laughs> provoque ouais. comme ça. Ouais. Ok. Bah, écoutez, il est 20h15 en fonction du timing, sauf s'il y a vraiment une question très, très urgente. Oui, M. Mertz. René Raymond faisait du gaullisme à bonapartisme. Est-ce que cette analyse est juste Alors, je ne me permettrai pas, de, 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 bien sûr, de remettre en cause l'analyse. Vous savez que son analyse, c'est la droite se divise en trois courants, les orléanistes, les légitimistes et les bonapartistes. Et donc, le gaullisme serait un bonapartisme. Je pense que oui. Mais c'est du bonapartisme du Second Empire. Euh, Napoléon n'a pas de doctrine politique. Hein, c'est un, un pur, euh, comment dire, euh, comment est-ce qu'on dit pour, euh, à la fois opportuniste mais euh, pragmatique. Voilà. Euh, le, le, ce bonapartisme-là, c'est le, le suivant. Mais la théorie de René Raymond est remise en cause parce que dans ces trois euh, catégories, il, il, enfin, il y en a une quatrième qu'on pourrait ajouter, c'est euh, les républicains de droite. C'est-à-dire les gens qui sont nés républicains, euh, qui n'ont pas de filiation et qui, et qui sont devenus de droite. Euh, L'exemple, ça peut être Georges Clémenceau à partir du moment où il a arrêté de dire qu'il était socialiste. Euh, ça peut être… Euh, euh, là, ça ne me vient pas comme ça, mais voilà, il y a eu, il y a eu aussi tout un courant républicain euh, qui est devenu de droite. Donc il y a peut-être un une quatrième droite aujourd'hui. Bien. Il y a une quatrième droite à l'horizon. Merci, mais écoutez, merci à Thierry Lenz pour la, la clarté de, de son exposé. Merci. Vous êtes impressionnant, vous impressionnant par l'intériorité par de tout. Enfin, l'impression que Napoléon, c'est vous. Enfin, vous êtes... ah non, non, mais ça... <laughs> et simplement une petite précision pour ceux que, qui seraient intéressés demain. Sachez que la, la leçon de philosophie de Raphaël Antoine, c'est à 13h et pas à 13h30 comme indiqué sur le programme, donc une petite demi-heure de décalage. Voilà, merci, bonne soirée, à bientôt.